On part un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est fuertée qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne se touche. Le cross-up qui touche les 57. C'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra. Je lâche mon casque, John Bar. Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait du bruit. Bienvenue dans le premier tournoi e-sport de Super Mario Kart 8 Deluxe. Il n'y a pas de super, mais pourquoi pas. Il va être super probablement le tournoi. Le tournoi se nomme e-sport. Le code du tournoi n'est autre que 0-2-2-2-9-3-6-1-4-1-2-3 et le numéro complémentaire. Et le 12 à gagner dans ce tournoi, bien entendu, pour les champions. 24 courses, changement tous les 4 circuits sans intelligence artificielle, avec objet évidemment, parce que c'est la vraie version e-sport. Il n'y a absolument aucun intérêt à jouer sans objet. Le premier qui part devant, il a gagné. C'est nul. À gagner, alors là, attention, un lot incroyable, puisque vous avez pouvoir la chance de gagner l'incroyable setup e-sport pour jouer à ARMS en versus grâce à ce magnifique sac à dos en carton. Vous allez pouvoir optimiser les mouvements de coups de poing que vous allez donner à ARMS et pouvoir donner des coups de pied aussi dans un jeu de points. Voilà, à gagner évidemment sur la JVTV. Ce setup e-sport 100% officiel Nintendo d'une valeur incroyable. Que je ne révélerai pas parce que bon, on pourrait se dire que c'est du carton, mais non. Il y a donc évidemment beaucoup en jeu. L'e-sport est en jeu puisque ici même, nous allons déterminer réellement si Mario Kart 8 Deluxe est un jeu e-sport ou non sur un nombre important de courses, 2 heures de compétition avec des compétiteurs qui vont tourner dans les lobbies. Il ne peut pas y avoir d'embrouille. Si tu ne gagnes pas le maximum de courses, tu ne pourras pas gagner. C'est impossible. Mesdames et messieurs, il est 17h. Vous pouvez toujours retrouver le code dans le chat ou sur le Twitter de moi-même, @KenBogard. J'espère que vous êtes prêts. Are you ready? Are you ready? Ladies and gentlemen, start your engine! Nous prenons part au tournoi e-sport. Bon, on avait le choix de jouer un format plutôt e-sport. On va jouer e-sport. Alors, si on voudrait jouer e-sport, il faudrait prendre ce personnage ultra moche ou ce personnage un peu moins moche. Mais bon, je suis Donkey Kong depuis le 1. C'est mon perso de cœur. Je ne peux pas malheureusement changer. La différence est minime. Mais sur un grand nombre de parties, elle peut se ressentir. Choix aléatoire, bien entendu. Bonne chance à tous les participants. Nous sommes déjà lobby plein. Qui sera élu champion e-sport de Mario Kart 8 Deluxe? Qui avons-nous dans le lobby? Nous allons voir pour cette première course qui sera... Qui sera? Eh bien, écoutez, circuit Yoshi. Nous avons donc Nabosh, Wacky, JTM, Kiki, Tico, Isem, Pierre Belmerde, Romain, PGCD. Et c'est parti pour la première des 24 courses qui vont composer. Alors, on voit énormément de setup e-sport là. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes et de perso e-sport. Ah, et c'est Bowser Squelette qui part largement devant. Alors évidemment, comme il n'y a pas de mode spectateur e-sport, je vais devoir spectater moi-même depuis la 12e place tous ces matchs d'anthologie. Piquez-moi bien toutes les pièces, vous avez raison. Faites bien ça. C'est vous. Alors, est-ce qu'en e-sport, on peut récupérer des items? Est-ce que c'est possible en e-sport de récupérer des items, s'il vous plaît? Ce serait bien aimable. Je prends un cutie sportif. Et c'est la guerre au milieu du peloton. Oh là là, mais j'en ai marre, mais arrêtez de me tabouriner. Pousse-toi. Laisse-moi un item. C'est le premier item que je récupère, e-sportivement parlant, de la partie. Je peux pas être plus content que ça.
Petit cut indé. On va garder ça histoire de prendre le cut juste là. Oh là, c'est la folie des pièces. Pas de carapace, pas de carapace. Parfait. Et j'ai pris la bleue quand même. Bon allez, le ça va de tout le monde, même si c'est e-sportivement parlant zéro. Étant donné que la bleue était probablement en plein dans l'éclair de quelqu'un. You! C'est Tico, on va pouvoir balancer du coup la carapace. Impeccable, on a volé mon reste. Je suis deuxième, c'est complètement e-sport. Tico premier, je pense qu'on peut pas faire plus e-sport que Tico premier. Ne laissez pas être premier. Ne laissez pas ce belge fou devant. J'ai une eau rouge et je ne l'utiliserai pas contre Tico, je vous le dis tout de suite. Oh putain, il peut prendre le cut. Vous êtes sérieux, en première position? Comment fait-il? J'attends la deuxième bleue du match. Oh, ça joue largement mieux que moi derrière, visiblement. Ça m'a l'air d'être très difficile, mais Tico a posé relativement mal, je pense, son truc. Double item, double item, double item. Allez, rouge, on balance. Parfait. Ah, oh, ça, c'est pas e-sport. Oh, ça, c'est pas e-sport. Ça, c'est pas e-sport du tout, non. Non. Je pense que cette première course n'était pas très e-sport. Punaise, mais cinquième, la remontada était parfaite, mais il a fallu que la deuxième bleue arrive quand même. Putain, mais Tico. Incroyable première course. Hein. Bon, c'est un grand nombre de courses hein, qui va compter, bien entendu. C'est surtout ça qui sera important. Mais je dois dire qu'au moment où je balance ma rouge, y a la bleue, je passe premier, du coup la bleue m'est destinée. J'ai quand même bien le guac. J'ai quand même bien le guac. En tout cas, on avait eu un grand moment d'e-sport dans cette première course. Je pense que la suite laisse entrevoir énormément de possibilités e-sport. Voilà, j'ai senti e-sport. Et j'ai fait cinquième. Fait cinquième, donc ça va. Je vous dis, c'est surtout un grand nombre de courses qui va compter. Ah, la pire map. Je déteste ça, désert sec. Tico, chip leader, suivi... de Ozora qui n'a visiblement pas pris lui d'attaque. La fameuse stratégie de rester deuxième. Si je reste deuxième tout le temps, tu sais, je peux peut-être gagner le tournoi. Ah mais ils font trop de fois premier. Oh là là, mais... C'est carte à petit trou. J'ai honte de vous jouer ça. C'est parti. Bon, il me faut un item. Casse-toi le petit. Merci. Le petit. Ok, donc non seulement j'ai pas d'item, mais je viens de rater toutes les pièces. Je sais pas si mes trajectoires sont très e-sportives. Ah, bien fait. Deux rouges! Mais c'est un scandale! Ouais, j'avoue, deux rouges, c'était dégueulasse. Me voilà devant. Me voilà devant pour une courte durée, probablement. Évidemment, Issem qui prend le cut. Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Ah, ce perso du mal, quand même. Hein. On va récupérer un peu de pièces, parce que les pièces, c'est la vitesse, et la vitesse, c'est la vie. Je balance ça. C'est gratuit, ça a touché quelqu'un. Je ne suis que troisième. Ah, c'est plus rapide d'aller là. C'est ce qu'il semble penser en tout cas. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre sur le chat. Dans ta tête, je te dis, bordel. Bon, j'ai une rouge. Mais jouer la deuxième place, ça peut être une stratégie. Oh non, 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 c'est pas bien placé. Oh, c'est tellement bien placé. J'ai failli me prendre un bilbal. Un bilbal pas du tout e-sport. Hein. Double item. Raté, bien joué. Merci le sein.
Oh, on est pas Bilbal alors que je suis 5ème. Vous êtes sérieux? L'e-sport le vrai est là. Les cuts de la débilité. Et 5. 5 c'est bien mais pas top. 5 c'est bien mais pas top. Voyons voir qui est devant. Trakilian qui est parti devant et on l'a jamais revu. Tico qui termine juste derrière. Ça me fait que 16 points. J'aurais pas raté le double item, peut-être j'aurais pu avoir plus de champignons. Peut-être. Tournoi full 5ème place. J'essaye de viser la full 5ème place, bien entendu. Je rappelle qu'au bout de 4 courses, on tourne. Donc on ne restera pas dans les mêmes lobbies, c'est sûr. C'est obligé. Un peu trop d'e-sport. Mais la bleue, j'ai voulu l'éclater avec mon klaxon au moment où elle arrive, mais elle m'a quand même touché, c'est ouf, hein. J'en ai marre de me faire toucher par des bleus, je suis pas premier. Nous sommes sur la version Switch. Nous sommes sur la version Switch. La Switch qui est une console e-sport, hein. Alors que la Wii U n'est pas du tout une console e-sport, attention. Ne vous faites pas avoir, hein. Bientôt Fortnite, hein, sur Switch. Home. Allez, j'ai le kart e-sport, c'est une course que j'aime bien. Ça va le faire. Putain, mais c'est carte du mal. Part avec deux pièces quand on est cinquième. C'est-à-dire toutes les pièces que je pourrais avoir, ce sera ça. Il faut vraiment un jour que je récupère des items. J'ai l'impression d'être toujours ultra mal placé. Ouah, j'ai donné un petit coup de frein. Je vous le cache pas. J'ai réussi à passer entre les items. Crotte au cul, crotte au cul, crotte au cul, crotte au cul. Ah, tu m'as raté, sale bâtard, hein. Ça c'est un... Si c'était pas Tico, je sais pas qui c'était. Non mais par contre les pièces, ça va devenir important pour vivre en fait. Tiens, moi je te rate pas par contre. Il y a du aiming, hein, comme dans les jeux sportifs. Tiens. Et on back. Pire utilisation du champignon de l'histoire. Mais deuxième, c'est une bonne place. C'est une bonne place, il n'y a pas trop d'embrouille. Je l'ai mal pris, hein, ce virage. J'aurais pu prendre les pièces. Non mais t'es sérieux? Boost. Ok. Est-ce que j'ai besoin ou j'ai pas besoin? Ah mais t'es pas sérieux! Oh là 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 là. J'ai 3 rouges, j'en balance une. Et Nabosh, elle m'a détruit toutes mes rouges. Hein. Mais c'est pas sérieux, non, ça aussi. Boost. Ah là là, je peux pas booster. Même petit coup devant, je prends pas la bleue. Pas moins que je prenne la bleue. Je vais faire double boost ici, j'ai combien de pièces? C'est ridicule. Ok, petit boost ici. Ça vaut mieux le garder à la fin et prendre un item. Bilbal, Bilbal, Bilbal. Mais c'est pas sérieux, le Bilbal, il est 6ème le mec. Mais non, pas de bleu encore. Une bleue 100% e-sport. Ouh. Je crois que j'ai évité e-sportivement la bleue là. Je crois que j'ai évité sportivement la bleue. C'était chaud, hein. C'était chaud, hein. Il y en a deux qui sont très très forts là, juste devant. À deux qui sont très très forts. Je vous dis, hein, ils jouent mieux, ils sont plus souvent devant, vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas de hasard.
Moi, je suis en train de me battre contre Tico, tu vois. On est dans la Ligue 2. Kylian, on l'a jamais revu alors qu'il y a eu deux bleus dans la partie, c'est ça. Mario Kart, c'est e-sport. Bah, c'est ce que je tente de prouver avec ce tournoi. Hein. Premier tournoi 100% e-sport. Et map de merde. Map de merde, map de merde, map de merde. Kylian, il est infini plus moins. Il n'a pas de limite. Oh là là, mais ce kart avec Wario, il met tellement le guac. Les petits trous de l'e-sport. Hein. Sa trajectoire est propre. J'en prenne un. Waouh, vous êtes sérieux? J'ai quand même récupéré un nickel. Chat. Tu me cartonnez pas. Me cartonnez pas. Me cartonnez pas. S'il vous plaît, ne me cartonnez pas. Ne me cartonnez pas. Me cartonnez pas. Je me suis fait cartonner pile poil dans la mélasse. Pire carton ever. Ça, c'était un shoot un peu plus e-sport. Là, ça freine pour me mettre évidemment la max. Et j'ai évidemment pris l'éclair alors que j'avais la putain d'étoile. Pire trade ever. Non mais poussez-vous. Aïe. Je devrais regarder derrière plus souvent. C'est pas... Aïe. C'est pas assez e-sport de pas regarder la 12ème. Tout va bien. C'est la place des vainqueurs. C'est la place de ceux qui ont les billes balles. C'est parti. Ça, je balance cash. On rebooste. J'évite les cloches de justesse, hein. Mais bon sang, même avec tout ça, regardez ma place, c'est catastrophique, hein. Voilà, c'est pas possible. Je manque clairement de position e-sportive, là. Aïe! Mais aïe! Mais aïe! Mais pourquoi la rouge arrive? Oh là là, bah oui, on va continuer. Oh bah une map e-sport. Oh une map e-sport. J'ai jamais pu remonter de toute ma vie malgré tous les items de l'histoire. Après 4 maps, nous changeons de lobby. Putain, mais là j'ai pris toute la max. À chaque fois que je sortais d'un champignon, rouge. Je sors d'un champignon éclair. Je sors d'un champignon bleu. Tous les mauvais timings. Tous les mauvais timings. Et c'est ça qui est bien avec Mario Kart, et c'est que je vous dis, voilà pourquoi Mario Kart est e-sport, parce que quand tu perds, c'est jamais ta faute. Comme dans Fortnite, comme dans League of Legends, comme dans tous ces jeux de chiasse e-sport, c'est jamais ta faute. Comme dans Hearthstone, c'est toujours de la faute de la distrib, de tes collègues, ou d'un autre facteur juste derrière, ou de la RNG. Tu comprends? C'est jamais ta faute. C'est ça l'e-sport, c'est les jeux où c'est jamais ta faute quand tu perds. Encore ? Ça va. Alors qui avons-nous dans ce lobby ? Ced, Onilink, Florian, Baudruche, LGCD, Thanatos, Naboche encore, un Tico qui a fait le changement avec moi. Ken Junior. Ah bon, je reconnais la JVT. Je suis pas chip leader et je pars loin derrière. Et trop stylé le casque Kirby. Là. On y croit pas. Bon, je choisis l'intérieur parce que j'ai déjà des pièces et du coup je me fais pousser. Mais là, ça va pas être possible, là, les mecs. Je vais pas subir toute la partie vos histoires, vos enfantillages. Cassez-vous.
Je ne prendrai jamais le double item, je le sais. Aïe! On y croit à mort, c'est ça l'e-sport. Ok, champignon et champignon. On va garder pour cut. Wouah, bien visé Tico. Même si t'es un vilain chenapan. Mais c'est bien visé, je suis dans le peloton. Pire endroit. Aïe! Je spam comme un sac à merde. Voilà pourquoi dans les pelotons. Mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Mais casse-toi. Oh là là, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible! Poussez-vous, monsieur. Sert à rien. L'étoile qui sert à rien. Éclair, 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 éclair. Non mais je suis aussi nul que ça, c'est pas possible. Non mais qu'est-ce qu'il fait lui à attendre là? Qu'est-ce qu'il attend? Cinquième, c'est ma place e-sport. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Où suis-je? Oh, je sais pas comment je fais pour faire sixième là-dessus. C'est miraculeux. Et j'ai toujours moins de points que Tico. Hein. Très, très mauvais engagement. Mais ça, c'est parce que j'ai un kart. J'ai un kart e-sport. Ou alors, vous me visez tous la gueule. Mais il y a un moment. C'est chaud. Allez, roulement de tambour. Ça y est. Certains qui ont fait leurs 4 courses ont changé. On va se retrouver dans une phase intermédiaire. Parfait. Comment ça c'est de la merde mon kart? Mais tout le monde joue ça. C'est toi la merde nécro. Comment ça c'est pas ouf? Bah c'est quoi le mieux? C'est ta moto de merde avec ton Morton pourri. C'est le kart que tout le monde joue. Tout le monde le joue là, ceux qui sont premiers. Bah et pourquoi tout le monde le joue alors? Oui c'est ta moto de merde. D'accord, bon bah c'est ta moto de merde. On s'en fout de ta moto de merde. Mario Kart ici, c'est pas Mario Moto. Bon, pas me vénère quand même. Déjà que je rechine ma race pour jouer e-sport. Mais encore cette map, mais c'est pas possible. Non mais est-ce qu'on va jouer des vraies maps déjà juste pour s'amuser? J'aurais été premier 15 secondes. Évidemment, personne ne cartonne le deuxième. On prend le double item. Ça, c'est mon Nindo, hein. La prise du double item. Bon, je reste bien derrière Naboche. Ça vise à vue. Voilà. Sûr que jouer Funky Moto sur Mario Kart Wii, c'était vachement plus marrant. C'est terrible. Terrible ce qui est en train de se passer ici. Ces heures de Stunfest pour arriver à ça. Merci de m'avoir filé un peu de ton champignon. Sympa Naboche hein. Du coup je la cartonne. Mais cassez-vous. Moi, je suis à zéro. Je suis à zéro pièce. Non pas la bleue. Est-ce qu'à un moment je réussirai à éviter la bleue? Est-ce qu'à un moment déjà je regarde derrière moi? Pire item de la vie. Je suis premier, je ne sais pas comment. Très bien. Premier, impeccable. Ça me va.
Je ne sais pas comment j'ai fait premier, mais je suis. Zéro pièce, tout va bien. On va prendre une trajectoire large, j'aurais dû garder cette pièce, sac à merde. Voilà, la rouge, c'était mérité, évidemment, puisque j'étais premier. Poussez-vous. C'est tellement dans un mouchoir de poche. Cassez-vous. Oh là, il la crotte au cul. Et il récupère toutes les pièces. Bon, bah, c'est mort. Aïe, aïe. Pire trajectoire ever. Merci. C'est ce qui va me permettre de bien perdre et de pas prendre d'item à la fin. Allez, on est bien craqué, c'est parfait. Pas d'item à la fin, égal dernier. Ce moment où tu passes devant un mec qui a une rouge et où tu te fais cartonner trois fois. Quatrième. Ou goûter quatrième, je sais pas comment. Merveilleux. Quatrième, on ne sait pas. Quatrième, on ne sait pas. Quatrième, on ne sait pas. Je vais jouer encore plus e-sport. Si tu veux jouer encore plus e-sport, on va jouer e-sport. C'est où le kart e-sport? Voilà, ça c'est e-sport. Ça. Voilà, ça, l'e-sport bien moche, c'est ça. Mais la moto, c'est de la merde. Je sais même pas conduire une moto. Fous-moi la paix avec la moto, nécro. Je sais quand même pas conduire un véhicule qui a les trajectoires inversées. Ça, c'est comme de rouler à gauche. Ça n'a aucun sens. Putain. Sale carte. Sale roue. Sale tout. Ça y est, je suis un peu plus e-sport en tout cas maintenant. Ok, enfin une autre course, celle que je connais le moins, c'est parfait. Sale roue, j'avoue, sale roue. Je ne dis pas ça hein, pour le prince Harry. Rien à voir. Ce sont évidemment les roues de cartes. Hein. Ils sont plus discutables. Je sais pas où sont les autres à côté. Très bien, on va aller récupérer quelques petites pièces. Et là on va piffer toute sa life parce que je n'ai absolument aucune idée de comment est-ce qu'on trajectoirise ça. Bon, je sais pas comment je suis premier, mais je suis premier. Superbe boost. Sécuriser le double item. Est-ce qu'un jour je vais regarder derrière moi? Parfait, ça me va. Ça me va complètement. Ce sera beaucoup plus facile de passer ça. J'ai une anti-bleue, je suis bien. J'ai anti-toi aussi. Ah! J'ai apprécié ma récupération d'items là, elle était belle. Je suis invincible. Et je vais quand même prendre une rouge. Avec 3 klaxons, tout le monde va me passer devant, tout le monde va me passer devant, tout le monde va me passer devant. Bah ouais, j'ai un klaxon, j'ai cassé une rouge avec un klaxon nécro. J'ai pris une deuxième rouge derrière. Ouais. C'était bien e-sport ça aussi. Quatrième, ça a l'air d'être la place de l'e-sport. Hein. Oh, c'est chaud. Bah après, c'était pas forcément plus juste que je sois passé devant. Hein. Mais bon. Si, si, elle est allée sur moi, je l'ai pété. Ou alors on peut revoir le replay, mais je l'ai vu derrière.
150 cm cubes sur la discothèque. La première me visait pas. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est malheureusement raté. C'est ça, hein, la gestion des objets, c'est ça aussi qui fait l'e-sport. Qu'est-ce qu'il est moche, ce carte. Qu'est-ce que c'est moche. C'est terrible. Regarde, le petit joue e-sport à côté, là. Il est devant moi. Il avait exactement le carte que j'avais avant. C'est parti. Putain, mais ça joue e-sport avec mon Donkey Kong et le carte que j'avais juste avant. Ça m'énerve. Arrêtez de jouer e-sport. Cette map, elle est pour moi, les gars. Magnifique récupération du bumper. Bien sur Windows. On va regarder un peu derrière quand même. On va regarder un peu derrière parce que c'est pas le tout, mais j'ai pas fait de première place pour le moment. Oula, c'est un peu raté lui. J'ai pas fait de première place depuis le début. Ça commence à me peser. Crotte au cul. J'ai tellement envie de lui envoyer cette carapace verte entre les dents là. Passe d'une crotte au cul à l'autre. Non. Sans la bleue ou pas hein. Très bien. On m'a piqué mon item, tout va bien. La première place est quand même là. Tant qu'il n'y a pas de bleu, je suis bien. Et la bleue arrive. Elle est pour moi quand même. Voilà, comment éviter une bleue. Le skill à état pur, l'e-sport est là. Vous avez vu un peu ce skill. Ça c'est pour toi bébé. Et les jeux spam parce que je suis un fou, un malade. Comment éviter la bleue. Première manche. Tu vas manger chaud, tu vas manger chaud c'est sûr. Ah merde, ça c'est de la chose. Est-ce que je peux prendre le cut avec le gloops? E-sport! E-sport! Ureno Kachida! Voilà! Ça, c'est une première place e-sportive, mon gars. Oh, mais c'était Tico qui allait me tuer! Je pouvais pas laisser Tico devant. C'était humainement pas possible. C'était e-sport! C'était e-sport. Il n'y a pas de vol, c'est de l'e-sport. J'ai fait de la gestion d'items pour avoir le champignon. J'ai provoqué ma chance. Je suis maître de ma chance. Vous comprenez pas ça. Changement de lobby. Moi, j'espère que je vais pas me retrouver avec Tico parce que c'est difficile les parties où on se retrouve avec Tico quand même. Et j'ai fait une première place. Ah, mode spectateur, c'est bon. Bah voilà, on va pouvoir rentrer dans le vrai mode e-sport. Et c'est parti, nous sommes en route pour la course avec eh bien Guillaume et Zach qui ont tous 0 points. D'ailleurs, tout ce lobby a 0 points, mais ils sont entrés aussi dans l'histoire de l'e-sport. Nous sommes actuellement dans le château de Bowser. Et si l'on suit cette course, alors que nous sommes au deuxième tour actuellement, nous avons des joueurs par terre et nous cherchons la tête de cette course. Une tête bien entendu menée par Carnot qui joue carte classique avec les roues petites. Il est suivi de très très près par TKCBB. TKCBB en petite moto Splatoon. Le scooter. Oh, malheureusement la bleue qui a permis le passage de TKCBB. Mauvaise esquive. Oh, bonne esquive. Il en a quand même bouffé. Hein. Le truc bleu, on peut pas regarder derrière lui, donc on sait pas trop qui le poursuit actuellement. Va regarder à la troisième place, Guillaume qui essaie de rattraper un peu le retard. Zach troisième, toujours lui aussi en quad Splatoon. Les chimies. Avec un klaxon, ça risque d'être difficile quand même de rattraper son retard. Mais on ne sait pas quel item il a. Tout peut arriver. Une banane, c'est le meilleur item pour tenter un comeback. Oh, mais il est premier avec une rouge, c'est mort. C'est mort, mais il s'est raté dans sa trajectoire. Est-ce que c'est possible? Non, deux rouges.
Magnifique, en voulant esquiver, malheureusement, il a pris une mauvaise trajectoire. Il s'est fait voler, comme c'est le cas. Comme c'est le cas. Allez, c'est prenable. C'est prenable. J'ai mon kart e-sport, mon perso e-sport. Et j'ai dit... Oh, on est 4 ! Si on est 4, il y a Versus. Ah ! Voilà. Là, c'est le skill qui va parler. À 4, Mario Kart, c'est 100% e-sport. Tu peux pas. Ils ont combien de points ? Ok, il y a Carnog qui a plus de points que moi. 60 points, 60 points à la 9ème course, c'est vraiment de la merde. Hein. Comment finir 5ème quand on est 4? Je vais vous montrer. Bah, la spie, elle fonctionne pas tout de suite. Hein. Ouah, trop chelou la trajectoire que j'ai pris. J'ai l'impression qu'elle est chelou la trajectoire de ce véhicule conseillé par Cassé-Négro, qui n'est plus Cassé-Négro. On va mettre ça à mon cul. Toujours ça. Ok. La première place est là, mais il n'y a aucune chance qu'il y ait des bleus, puisque nous sommes que 4. Je vais garder cette pièce. Comme j'ai de l'avant, je vais pas prendre le cut. Je vais prendre le double item là. Oh, gros double item. Pièce, bien sûr. Voilà, GG. Grosse performance. On peut applaudir le joueur français qui se fait même voler sa pièce. Ok, voler sa pièce à un clodo, c'est vraiment, vraiment pas propre. Hein. Regardez, c'est un enfant. Un enfant sur son tricycle. Oh, la bombe, c'est le pire item défensif de l'histoire. J'ai pas vu une seule rouge pour le moment. Mais on va garder ma bombe, j'y crois. Je vais talibaniser cette course. La première place est assurée. Hala Wakba. Ah mais elle explose pas dans ma gueule, ça veut rien dire. Elle explose pas dans ma gueule, ça ne veut rien dire. Premier sur 4, deuxième première place. Mon combo de en premier. Premier sur 4. Voilà, le bruit est plein. Nous avons Tête de Phallus qui est de retour. Ninja Samurai. Et Seida qui joue avec le gyroscope. Et le Joker qui est là aussi. Un peu chuté au rimshot ban, j'avoue. 10ème cours sur 24. Nous jouerons sur la map de merde du Joker, Lagon Tourbillon. Grosse map de merde. Grosse map de merde. Je sais pas s'il faudrait des pics et des bans de map hein, pour rendre le jeu totalement e-sport. En tout cas, je pense que la ligne est blindée. Il manque quelques personnes quand même. Dans le lobby, il n'est pas full. Oh là, mais ce sale course. Quelle sale course. Pièce. Yes. Voilà, t'as raison. Passe-moi devant. Récupère toutes les pièces. Fais-toi plaisir. Ah, mais lui aussi, il est plus moins infini là. Oh là, il est rapide le plus moins infini. Hein. On peut faire des sauts sur la murène en vrai. Il a dû déjà casser, j'aurais dû garder ça. Saxophone, trop cool le saxophone. On me prend le double item. Et je suis dernier, c'est merveilleux. Et le premier, on ne le reverra plus jamais. Putain, mais incroyable pour lui, on est tous des sacs à merde. Sincèrement. On n'existe pas. Pour le mec qui est devant, c'est. Y a pas de mec derrière en fait. On est tous des gros sacs à caca.
C'est hallucinant la différence de niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il m'est passé devant, il a pris tous les items et je ne l'ai plus jamais revu. Mon seul espoir, ça a été une rouge pour le ralentir. Il avait l'item défensif et c'est terminé. On ne le reverra plus. Meilleure utilisation du Bilba Lever. J'en ai vu un dans les airs, alors j'ai balancé. Ah, bien joué. Très bonne trajectoire grâce aux merveilleuses cartes conseillées par Necro. Bon, je vais pas la prendre celle-là. Hop. Essayons de nous en sortir. Parce que là, il y a moyen de limiter les dégâts si je ne prends pas la rouge. Et j'ai pris la rouge. Fantôme, au moins s'il y a un deuxième éclair, car c'est possible ici, je serai sauvé. Ah, les fameux Bilba Lancette. Hein. Vous en rêviez, Webedia l'a fait. Voilà. tiens jusqu'au bout, tiens jusqu'au bout. Ah, il a pas tenu assez. Cinquième, la place e-sport. Putain, mais il est tellement fort là, la Mori. C'est abusé. Je te jure, hein, il s'est foutu dans mon aspiration et ensuite après, je l'ai plus revu. Hein. Je l'ai plus revu. C'est violent. Surviolent. J'ai sub à la cinquième place, c'est ça. C'est ça, moi je suis cinquième. Bah après, je suis placé, tu vois, je suis un peu le Barrichello de cette compétition. Bien sûr, à chaque fois que je prendrai un mur, ce sera de la faute de Necro. Et là, si je tombe dans le vide, c'est de la faute de Necro aussi. Putain, c'est chaud. Amaury de la team Ninja. J'ai combien de points, moi? 72. C'est bien, mais pas top. C'est vraiment pas top. Ah, j'y crois à mort, tout le monde a le carte de merde avec les roues de merde. Bon, déjà, on le cartonne pour commencer. Ensuite, je le fais tomber. Voilà, ça c'est mon plaisir. C'est mon plaisir e-sport. Ne gâchez pas mon plaisir e-sport. Gros plaisir e-sport hein, d'avoir fait ça. Je crois que j'ai complètement raté. Complètement raté ce cut. Tout va bien. On backspam, c'est ça la vie. Backspam au pif, hein, sans avoir regardé derrière. Hein. Il est déjà revenu. Et vu ce que je lui ai fait, à mon avis, il est pas content. Il est déjà revenu devant. Hein. Il est revenu, à mon avis, il est revenu en mode pas content. Mais genre vraiment. Ouais, bleu. Bleu la base. Je la prends ici. Voilà. Et il m'a déjà dépassé. Il est intestable. Il est intestable. Ah, bien joué. Oh là là, tellement injouable. Pour moi, ça. Hein. Pour moi, ça aussi. Allez, intestable. En plus, personne ne le vise. Ils en ont rien à foutre. La seule chose qu'ils veulent, voilà, c'est ma gueule. Normal. Normal. Comment aurais-je pu faire de toute façon? Et tu vois, ça c'est qu'un début de mecs qui commencent à savoir bien jouer. Hein, mais il y a des mecs qui savent encore mieux jouer que ça. Hein. C'est là où je vous dis, Mario Kart c'est e-sport. On
face, je balance. Oh la vache. Ça c'était méga risqué ça. Je sais me contenter de cette... Regardez la distance qu'il a pris par rapport aux autres. C'est hallucinant. Nous ne sommes que des débutants. Des débutants. Alors c'est normal que ça se passe comme ça. Ça fait 6 ans que je joue en compétition sur Mario Kart. Que ça se passe comment ? Il y a énormément de teams sur le jeu et on y joue tous les jours à l'intérieur. Mais bien sûr, mais c'est exactement ça que je veux montrer aux gens. C'est exactement ce but de ce tournoi e-sport. Et c'est très bien si les mecs, les surdoseurs, viennent participer. C'est ça. C'est ça. Et les mecs qui surdosent le jeu, ils se font pas schnapser par des bleus, des éclairs ou je sais pas quoi. Non. Mec, je l'ai foutu par terre, dehors. Je lui ai cassé la gueule au premier tour. Il est devant de 10 minutes au dernier. C'est ça. Mario Kart, c'est e-sport. Évidemment. C'est la preuve de l'e-sport. J'y crois, moi. Cette map très technique. Ah, il a ralenti exprès, bâtard. Je sens qu'il m'en veut. Il m'en veut personnellement. Je pense qu'il est parti dernier, histoire de se taper un petit délire. Alors ça, par contre, c'est pas e-sport. Ça, c'est... c'est complètement pas e-sport de ralentir. Pour cartonner les autres. Non, s'il vous plaît. Pouvez-vous éviter de faire ça? Pièce, pièce, pièce. Raté. Pièce, pièce, pièce. Merci. C'est bizarre ce qui est en train de se passer. Je suis un peu trop devant. J'ai dit pièce. C'est très louche. C'est méga louche. Je crois que c'est pas opti de prendre le truc. Je sais plus ce qui est opti en fait. Je sais plus ce qui est opti. Ça sent l'e-sport à plein nez là. Ok, parfait. L'esquive est bonne. Je ne sais pas, mais j'ai l'air d'avoir. Et il a freiné, il freine encore. Dites-moi qu'il freine pas. C'est pas possible, il a des problèmes de connexion. Dites-moi qu'il a des problèmes de connexion, dites-moi qu'il est pas en train de freiner. J'ai l'impression de rouler vite pourtant. Me dites pas qu'il est en train de freiner parce que ça me rend fou. Il est derrière moi, non? Ouais, il est derrière moi. Mais comment il fait pour aller aussi vite? J'ai raté le dernier boost. Ce qui veut dire qu'il va me dépasser, crotte au cul. Et là, il regarde derrière, il attend, il se dit je vais me le faire, je vais me le faire, je vais me le faire. Bleu, bleu, et la justice. Ah, trop tard! La justice arrive trop tard. Je crois qu'il a freiné 3 fois dans le match. Mais comment il peut aller aussi vite que... Enfin, je veux dire, je suis pas lent, j'avais les 10 pièces... J'ai peut-être pas les meilleures trajectoires, mais... Il m'a déboîté. Mais il a avancé de 100 mètres d'un coup, ça c'est les lags, c'est rien du tout, ça c'est juste que la map l'a mal repéré. Il cheat ? Ah ouais ? Mais non. Bon, nous ne sommes plus dans son lobby, j'ai changé de lobby. Avec un Jojo, hein. 76 points. Je me demande combien j'ai de points. Mais c'est possible de cheat à... Mais comment tu peux cheat à Mario Kart ? Jojo 7ème. Domido, Valérie. Oh là là, ça touche les murs. Bon, ça sent l'e-sport ici, hein, quand même.
Ça sent l'e-sport à plein nez. Oh, magnifique carton. Il en profite pour prendre un spin boost. Oh, cette victoire de Yoshi. Bah non, il n'y a pas de cheat, il n'y a pas de cheat, il n'y a pas de cheat, bien sûr, il n'y a pas de cheat. Même si la console est hack, c'est bien trop difficile. Pour le moment. Faut que je cheat mieux que lui, ouais. C'est ça. Putain, mais c'est chaud, il était tellement chaud. Ah là 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 là. Les phases de beat. Les meilleures. Les phases de beat, les meilleures. Hein. Les meilleures faces. 24 courses. Et l'espoir peut-être de voir briller le premier champion e-sport de l'histoire de Mario Kart. La console est hackée, ouais, mais c'est vraiment pas facile de réaliser le hack. Vraiment, vraiment pas facile. On peut tout faire à partir du moment où t'as trouvé une faille dans la console. C'est une shield, hein. Donc t'installes Ubuntu et puis après t'as un OS qui tourne et avec l'OS qui tourne, tu fais ce que tu veux. 94 points pour Ken Bogard, je suis chip leader sur cette map. Mais il y a Carnot qui est ici aussi. Joueur venu d'Allemagne, hein, Kerze. Et la map fromage. Les produits laitiers, des sensations pures. Tain, le nombre de Donkey Kong qu'il y a. Le décor est posé. J'aimerais être e-sport, mais j'ai trop peur des crottes au cul. Enfin, s'il vous plaît, non. Poussez-vous. Monsieur, poussez-vous. Monsieur. La première place est un item défensif, merci. C'est trajectoire de merde, trajectoire de merde. Pousse-toi, 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 Yoshi. Qu'ai-je pris? Pourquoi je fla? Quelqu'un peut m'expliquer le fla? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai fla? C'est tellement le bordel. J'ai pris un item ou pas? Oui. Bon, j'ai dû ralentir. Malheureusement. Putain, je comprends rien à cette map. Hein. Ah, très bien. Je suis 11ème, tout va bien. On va garder la rouge parce que ça sert à rien de la spammer comme un mongolito. Allez, on la spamme comme un mongolito. Impeccable. J'ai pris une verte. Bien visée, je ne sais pas qui tu es. Mais en tout cas, j'ai mal. Cette rouge balancée de frustration une fois qu'il a pris le hit. C'est tellement la base de Mario Kart. Balancer des rouges une fois que tu t'es fait tamponner. Non, 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 prends pas la bleue. Mais non. Mais cassez-vous. Hein. Quatrième, je ne sais pas comment. Ah, ce snipe. Oh, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Tout est bon dans le cochon mais pas dans le boomerang. J'ai tellement eu peur du boomerang que je me suis écarté de la trajectoire. Boomerang encore, vous êtes sérieux? Boomerang derrière, un abattre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, boomerang encore. Ça boomerang de Nas. Aïe, 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 boomerang. Est-ce que j'ai de quoi? Est-ce que j'ai de quoi avec e-sport? J'ai de quoi être e-sport avec ça, plus ça. Le vol? Non. J'ai pas pu voler. J'ai pas pu voler, j'aurais dû tirer la rouge plus tôt. Je tirais la rouge plus tôt, je volais. Et c'était beau. C'était beau. C'est tellement beau. Mais j'ai eu peur, mais oui, mais le boomerang, moi, il me fait peur. Je suis là. On sait pas, ça peut partir n'importe quand. C'est super dangereux. Juste après la pause de 18h, nous irons voir un tout petit peu l'étendue des dégâts avec le classement provisoire de ce premier tournoi 100% e-sport de Mario Kart. Sur 24 courses, qui va l'emporter? Bah Nono, bien joué. Non, non, Nono, bien joué, bien joué. La verte, écoute, tu as visé, tu as parfaitement visé, tu as atteint ta cible. Je ne peux rien dire. Quand tu prends une verte, tu ne peux rien dire. Sauf quand c'est la tienne. Et qu'elle a fait ça. Alors que l'angle, tu sais, l'angle il est comme ça. Elle est censée faire ça et elle fait ça dans ta gueule. Là, t'as le droit d'être pas content. Mais qu'à contraire, ça va.
Bit. Gros bouffe, gros bouffe, gros bouffe. Il paraît que prendre des pièces, c'est important. Aïe. Aïe. J'ai freiné. J'ai officiellement freiné. Il paraît que prendre des pièces, c'est bien. T'as que des rouges. Ça a l'air d'être un peu merdique. Bon, j'en envoie une devant. Et j'en envoie une derrière. C'est pas mal d'avoir pris cette rouge et d'être en face du cut. C'est plutôt cool. Troisième qui est premier. Il est largement devant et il a un petit chiputi qui est pas du tout e-sport. Allez, Domino, balance. Mais pourquoi tu balances pas? Oh là là, mais... voilà. Moi, je suis ok con, j'aime les bananes. Hein. C'est normal. Hein. Bon, je balance. Je suis pas un mec qui garde. Hein. Surtout quand on peut mettre un mec au sol ici. C'est trop puissant. Ah, j'ai voulu faire initial D. Donc, catastrophe. 80 sur 20. Que de la merde. Que de la merde, que de la merde, que de la merde. Bon, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Zéro d'un point de vue trajectoire. Zéro, 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 zéro. Ok. Bon, j'ai tout faux. Tentons le comeback de l'impossible. Évidemment, tout le monde y croit. Tout le monde y croit jusqu'à ce que je passe derrière quelqu'un qui voit le nom de Ken Bogard et qui envoie du coup la rouge gardée depuis 3 heures. Allez, anti-éclair, c'est ici. Parce que l'éclair est catastrophique dans les airs. Je vais donc tenter d'éclaircir un tout petit peu mon avenir. Et je me suis fait bouffer par la plante. J'ai un item simple qui est une bleue, donc c'est de la merde. Et c'est la 7ème place de Chias, tant attendu. Septième place de Chias. Running in the 90s. C'est ça. La 7ème place, je sais pas si elle était e-sport. Là, j'ai du mal. Je patauge. J'ai à peine dépassé les 100 points alors qu'on a largement dépassé la mi-course. C'est très chaud. C'est très, très, très chaud. Mais JBZZ est dans le lobby. L'ancien vainqueur. Bonjour Pentaro. Tu joues pas, toi? On joue e-sport, bien sûr. Okay. Tu joues à quoi? De quoi tu me dis tu joues? Une game contre les viewers, toi Pentaro? Bah oui. Je ne sais pas si les viewers sont prêts à avoir, mon nom, ski, à avoir ton niveau. Je pense que qu'ils sont pas prêts à... Pas prêt, c'est trop. Et là, on est en plein tournoi. En tout cas, c'est le premier tournoi e-sport mondial de Mario Kart 8 Deluxe. À gagner un stick arcade. Je rappelle, hein, un stick arcade pour Arms sur Switch à gagner. Fait main. 150 points déjà, JBZZ. Hein. 150 points. J'ai 100 points, je suis déjà content à 150. C'est dur. La vie est dure. Allez! C'est l'aéroport qui nous emmène tous au Japon. Boum! Poussez-vous, faut jouer des gros ici. J'aime ma vie. J'aime ma vie, surtout quand ça se passe comme ça. La pièce n'est pas apparue à temps. Je suis légèrement mal, mais ne t'en fais pas, Pentaro. J'ai tout prévu. Dans les moments difficiles, il faut toujours avoir l'espoir de y arriver. Il passe bien devant lui. Oh, merci d'avoir pris la banane à ma place. C'est fort aimable. Je peux donc en balancer une deuxième ici. Oh, c'est dommage, la rouge, elle est tombée là. Pauvre petit. Ah, par contre, la bleue, je veux pas la prendre. Hein. C'est terminé, j'en ai marre. Ah, tout le monde a allongé les murs. Très bonne banane positionnée ici. Ça les positionne bien, les bananes, hein. J'ai tellement peur de me prendre sa crotte au cul à lui, je vais me la prendre là. Je freine. Oh, je suis à l'intérieur.
Est-ce que je descends? Éclair, c'est parfait, ça me permet de prendre un item. Ok, bon bah il a bouffé gratuit. Aïe! Regarde derrière, sac à patate. Quelqu'un m'a piqué les pièces. Notez une grande présence de Todd sur cette map là. Je suis dernier en bio. Je sais pas si c'est même très intéressant de l'utiliser là les. Aspi. Oh, y'a pas d'aspi. Dyson, une demande d'ami reçue. Deuxième éclair de la partie, tout va bien. Necro serait fou derrière son écran. Et je me fais rouler dessus physiquement. Enfin, cette 9ème place du swag. Ah oui! Oh, bien joué! Oh là là, le meilleur sur vos écrans. Et rien que le meilleur. Ça c'est serré pourtant, mais juste derrière quoi. Neuvième. Donnez-moi un item craqué là, genre un bilbal. Tout le monde est au même endroit. Le bilbal c'est abusé là. Oh punaise. Troisième. Deuxième. Ça c'est e-sport mon gars. Ça c'est e-sport. Je me suis placé pour attendre ce moment et l'emporter. Tu peux pas comprendre la stratégie. Tu peux pas comprendre la stratégie quand il y a pas de stratégie. C'est que c'est que de la RNG en fait. Ça c'est ce que disent tous les sacs. Mais ce que l'on retrouvera à la fin. Ce que l'on retrouvera à la fin. Les vrais vainqueurs. Ceux qui savent, ils seront là. Non mais n'empêche, le meilleur joueur de ce lobby c'est lui et il a gagné. Point final, tu vois. Bon après on s'est battu un peu entre sacs. Mais le meilleur des sacs c'est moi. Et ça c'est e-sport. J'ai acheté les t-shirts Uniqlo, ouais. Est-ce que j'ai tous acheté? Non, je n'ai pas tous acheté, j'en ai acheté 6. T'as vu que le Tsubasa est sorti hein? Non. Ah si, j'ai envoyé la photo sur Twitter samedi. Comment ça se fait? Il sortait sorti en juin. Bah, les Tsubasa bleus, les deux Tsubasa bleus. Tu les as vus au Uniqlo de chez toi? C'est bien, d'Opéra. Mais tu m'en prends un en S si t'en revois un jour, hein, je te rembourse direct. D'accord. J'ai posté la photo, je t'en prie, les gars, allez-y. J'ai plus le temps d'y aller. C'est parti! Alors, c'est la 16ème course, elle est importante parce qu'après. Aïe! Foutez-moi la paix! J'étais en train de penser t-shirt, évidemment, j'étais pas full concentré dans ma course. Et voilà ce qui arrive. Quand je pense à ce que Amaury m'a mis ici, je n'en reviens pas. Cette course, elle m'a traumatisé. Je sais même pas si c'est bien maintenant de prendre ça ou il faut tenter tous les rebonds là. Je sais même plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Non ! Pentaro, tu me déconcentres. Regarde, je fais n'importe quoi depuis que t'es là. C'est terrible. Alors que j'étais totalement parti pour faire ma rebondissement. Une étoile en 4, que se passe-t-il? Devait 3 vertes, c'est bien si tu sais les utiliser. Adieu! J'ai raté mon dérapage. Je backspam du coup comme un sac. Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe quand? Mais oui, mais en fait je suis quatrième. Mais c'est juste que la position par rapport au dernier est tellement... Par rapport au premier est tellement loin que j'ai des bons items en fait. Balançons n'importe quoi. Désolé. La remontada. La part deuxième, je sais faire une autre place. La deuxième place n'est pas encore faite, bien sûr. Oh, il a 3 rouges. Oh bah il est intestable. Et je suis sûr qu'il va jamais les utiliser. Parfait. Bon, je ne peux pas le dépasser. Tout va bien. Ah, il en utilise une. J'ai freiné comme un chauffard. Non mais... Ah, aïe. Ah, il nous a doublé. Oh, je suis dernier, non.
Mario Kart, quoi. Ah non, là c'était épique. Épique remontada. Enfin, j'avais la trajectoire, en plus j'étais comme ça. Je prenais la spi. Bah, c'est e-sport, le mec derrière nous il a sûrement plus de pièces, il allait plus vite, il a pris l'aspiration comme dans les vrais jeux de course, quoi. J'ai voulu prendre l'aspiration du petit nain, mais bah malheureusement c'est tombé mal. Nous sommes quasiment à la mi-course, nous allons marquer une courte pause. Alors là par contre, ce qui fait chier dans la pause, c'est que ils m'ont lancé dans ce lobby, mais je voulais pas y être, mais je crois que je peux pas sortir, sauf si je fais tard. Je vais faire ça. Et nous allons regarder le classement actuel de ce tournoi e-sport. Je suis à peu près sûr de voir qui est en tête pour le moment. En tête actuellement avec 185 points, Kylian, suivi de Angel Mac, Issem, puis JBZZ, hein, dans un moussoir de poche. Avec un autre Kylian, hein, celui qui est plus moins... Il doit jouer avec deux manettes en même temps, sur deux Switch, et il les bat tous quand même. Amaury, hein, que je trouvais très très fort, n'est que 7ème. Et il y a plusieurs JBZZ, hein, les dépités. Play, Shikutsune à 128 points. Je suis 20ème avec 123 points. Pour rattraper Shikutsune, ça va être compliqué, mais rien n'est perdu. En tout cas, vous voyez, il y a un gros écart entre ceux à 130 et ceux à 170. C'est comme si, pouf, d'un coup, là, entre Sirius et Amaury, tu perds 12 points. Parce que les mecs devant, ils sont vraiment, vraiment très forts. Qui remportera ce premier tournoi e-sport, nous le verrons juste après. Une courte page de pub, à tout de suite.